Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre comment créer un module Angular, donc comment faire son propre module. Pour ici, on va seulement faire un module qui va écrire Hello World. Alors, pour commencer, on va venir donc se démarrer un serveur. Ok, ensuite, en assurant que ça travaille, on va venir se faire un nouveau module. Alors, appelons ça Hello Module. Alors, on voit ici le standard qui est d'avoir un dossier Hello qui comporte donc tous nos fichiers du module. Alors, voilà notre serveur qui roule. Donc, ici, en créant un module, qu'est-ce qu'on est venu faire? On va juste créer les fichiers. Ça va être important de venir inclure notre module. Donc, dans nos importations. Alors ici, allons-y avec Hello Module. Donc, tout ce qu'on va avoir besoin va être décrit dans Hello Module et ça devrait être suffisant pour pouvoir utiliser tout ce qu'on a créé à l'intérieur de Hello Module. Alors, maintenant, on va venir ici dans notre module. Notre module déclare déjà un component. Parfait. Donc, on va venir ici créer un component qui va dire simplement H1. Donc, Hello World. Et voilà, on est très content. Okay. Bon, le message de base aurait pu suivre, vous me dites, c'est bien vrai. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de revenir dans notre Hello Module et comme on sait maintenant que notre composant est correct, on va venir ajouter la partie essentielle, l'export, parce que on va vouloir utiliser notre Hello Component dans le restant de notre application. Donc en mettant dans l'export Hello Component, ça va le rendre disponible à l'extérieur du module. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a importé Hello Module ici, on va pouvoir directement utiliser notre Hello Component. Alors, Hello Component, si on regarde ici, la balise qu'on va pouvoir utiliser, c'est App Hello, qu'on pourra venir mettre. Donc, dans notre App Component, on va remplacer le contenu par. Oops. Remplaçons le contenu par notre balise, donc App Hello, qui devrait maintenant fonctionner. Et venons maintenant voir qu'est-ce que ça nous donne. On voit, on a bel et bien le contenu de notre component Hello qui est inclus uniquement dans notre module Hello. Alors, voilà sur comment créer son propre module en Angular.